gouvernorat du pays ont montré leurs différentes facettes de notre culture au cours des différentes prestations. C'est la première dame qui a rehaussé de sa présence la cérémonie de lancement du festival Medine Magbe Konaté. National des arts et de la culture sur son piédestal. Après 28 ans d'absence, voilà que nous revient cette rencontre culturelle sous une autre dimension. Cela grâce à la diligence du ministre des arts et de la culture. Ce festival qui favorise l'éclosion des talents artistiques a été officiellement lancé ce vendredi au Palais du Peuple sous la présidence de la Première Dame de la République, Hadja Aïssa Touba Konaté. A signalé que ce festival a été précédé par des podiums régionaux où 33 groupes et troupes artistiques et culturelles ont été sélectionnés pour compétir dans différentes disciplines au niveau des 5 communes de la capitale. Les meilleurs instrumentistes, danseurs, acrobates, créateurs et autres retenus représenteront notre patrie sur le plan international. Dans un esprit de communion, de paix, de pardon et de réconciliation nationale pour des élections présidentielles démocratiques et apaisées le 27 juin, quelques vedettes de la musique de Chenon ont, dans un élan de confraternité, lancé un appel au peuple de Guinée à surpasser ses différends, à se donner la main et à rester un et indivisible. Pour le ministre des Arts et de la Culture, la relance de ce festival national contribue à l'encouragement des activités artistiques et culturelles dans notre pays en incitant les acteurs concernés à aller de l'avant dans la recherche de l'innovation et de la création. Cette 14e édition traduit la volonté politique du gouvernement de porter notre culture dans une dynamique nouvelle afin de sceller davantage le socle social, consolider la paix et l'unité nationale. Elle constitue aussi un jalon important de notre histoire. Comme vous le savez, notre pays a été le fer de lance de la réhabilitation de la dignité africaine par la valorisation d'une culture authentique. À cet égard, le ministre des Arts et de la Culture a remercié le président de la transition pour son implication dans la réussite de ce festival. Par ailleurs, il a félicité la presse nationale qui est l'un des acteurs influents dans la dynamique de la relance du mouvement culturel. En organisant le 14e Festival national des Arts et de la Culture, tenter de remettre la culture à la place qu'elle mérite. Ce festival devra être la meilleure piste pour la renaissance de notre culture et la promotion de ses aspects les plus divers. Nous pouvons y parvenir en comptant d'abord sur nos propres forces et en développant la solidarité avec les autres peuples. À noter qu'un diplôme de mérite culturel a été décerné au feu président Ahmed Sékou Touré pour son combat éminent à mettre la culture guinéenne sur l'arène internationale. L'épouse du général Sékou Ba Konaté a suivi avec une attention particulière l'originalité des danseurs et la créativité des artistes au son et rythme des instruments traditionnels de la Guinée. Sur instruction du président de la République par intérim, le chef d'état-major de la gendarmerie a fait une déclaration ce samedi, déclaration relative aux conditions de recrutement à la gendarmerie nationale. La rigueur et la sérénité doivent caractériser ces opérations sur toute l'étendue du territoire. Voici la déclaration du colonel Ibrahima Baldé. Dans le cadre de la restructuration des forces de défense et de sécurité, prôné par le général Sékou Ba Konaté, président de la transition, président de la République par intérim, ministre de la Défense nationale, et conformément à ma déclaration du 29 avril 2010 relative au recrutement d'élèves gendarmes, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble des citoyens et des jeunes en particulier que le dépôt des dossiers de candidature débutera effectivement le lundi 21 juin et finira le jeudi 24 juin 2010 au niveau des régions de gendarmerie de Conakry, situées dans la cour de la commune de Dixine, Kindia, Labé, Cancan, Zérékoré et des groupements de gendarmerie de Boké, Mamou, Farana et Guéguédou. Le candidat doit répondre aux conditions ci-après. 1. Être de nationalité guinéenne.
de jouir de ses droits civiques, n'avoir encouru aucune condamnation et justifier d'une bonne conduite et d'une bonne moralité. 3. Avoir la taille minimale de 1,70 m. 4. Être âgé de 18 ans au moins et 25 ans au plus. 5. Avoir le niveau bac ou plus. 6. Être célibataire sans enfant. Les dossiers à fournir sont une demande manuscrite adressée au chef d'état-major de la gendarmerie nationale, un extrait de naissance, un extrait de casier judiciaire, une photocopie de la carte d'identité nationale universitaire ou scolaire en cours de validité, une copie certifiée conforme des diplômes, un certificat de visite et de contre-visite délivré par la direction de médecine du travail pour la région de Conakry et par les directeurs régionaux ou préfectoraux de santé, un certificat de résidence, 4 photos d'identité récentes. Je rappelle que chaque candidat fera l'objet d'une profonde enquête de moralité, ce qui exige nécessairement à tous les candidats de rester dans leur zone de dépôt de candidature pour éviter non seulement le double emploi, mais aussi les encombrements tendant à créer la confusion, objet d'élimination pure et simple. Par conséquent, tout candidat convaincu ne pas répondre aux critères de recrutement surénumérés devra s'abstenir de s'y présenter sous réserve de poursuites judiciaires pour faux et usage de faux. Examen d'admission. 3 épreuves importantes seront ciblées dans le cadre de cet examen. Premièrement, une épreuve physique pour une course de 8 km en moins de 45 minutes, une visite médicale et une épreuve théorique, dictée, questions et rédaction. L'épreuve physique et la visite médicale seront naturellement éliminatoires. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, nous donnons lecture de ce communiqué du Conseil national de la transition placé sous le haut patronage de son Excellence le général Sékouba Konaté, président de la République par intérim, président de la transition, ministre de la Défense nationale, à la cérémonie de lancement du processus de réconciliation nationale initié par la Commission de réconciliation nationale de la solidarité et des droits de l'homme du Conseil national de la transition aura lieu le lundi 21 juin 2010 au Palais du Peuple à partir de 12h. Les personnalités ci-après sont conviées à prendre part à la cérémonie officielle, les présidents des institutions républicaines, le Premier ministre et les membres du gouvernement d'Union nationale de transition, les membres du cabinet de la présidence de la République, le chef d'état-major général des armées, le directeur de cabinet du ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major général adjoint des forces armées, les chefs d'état-major particuliers, l'inspecteur général des forces armées, les directeurs des services de police et de la douane, les chefs des missions diplomatiques consulaires et représentants des institutions internationales, les chefs des confessions religieuses, les commandants d'unités de la capitale, les coordinations régionales, les présidents ou secrétaires généraux des partis politiques agréés, les représentants des centrales syndicales de la société civile et du patronat, les anciens présidents de l'Assemblée nationale et les anciens députés, les anciens membres du CMRN, les anciens présidents des institutions républicaines, les anciens premiers ministres, les épouses des anciens présidents, les anciens chefs d'état-major des forces armées, le comité civilo-militaire, les associations des victimes de tous les régimes, les directeurs des différentes directions des forces armées, les organisations de défense et des droits de l'homme, les représentants des ONG, les maires et chefs de quartier de Conakry, les associations des jeunes et des femmes, les ensembles artistiques nationaux, toutes les corporations des artistes musiciens et hommes de culture, le Djilitomba et les communicateurs traditionnels, le Parlement et le médiateur des enfants, l'association des épouses des militaires et paramilitaires, et les travailleurs des secteurs publics mixtes privés et du secteur informel. Mesdames et messieurs, ainsi donc s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la réalisation, Ibrahima Souria, Tara Okatraj, Eugène Dunamou, à l'infographie, Faraban Magasoba.